Le Fonds d'action Saint-Viateur, association caritative française, apporte sa pierre à l'équipement et au renouvellement des bibliothèques publiques de Côte d'Ivoire. Pour la première phase du don, plus de 13 000 livres seront distribués dans les écoles de 7 villes de Côte d'Ivoire. La bibliothèque du Centre culturel Jakaka n'a pas été oubliée. Cette bibliothèque publique vient de recevoir plus de 5 000 livres. Le ministère de la Culture et de la Francophonie voit en cette initiative une œuvre de formation des cadres de demain. Heureux parce que ce fonds documentaire vient renforcer les capacités du Centre culturel Jakaka, qui va maintenant offrir beaucoup plus de possibilités aux élèves, aux étudiants, aux chercheurs de Boaké. La bibliothèque du Centre culturel Jakaka a payé un lourd tribut à la décennie de crise vécue par le pays. Au cours de la remise de ses ouvrages, le Fonds d'action Saint-Viateur s'est engagé à offrir d'ici fin 2014 plus de 11 000 livres de tout genre à cette bibliothèque. En plus de meubler les bibliothèques des collèges et lycées, cette association veut participer à l'équipement des centres de santé. Le Fonds d'action Saint-Viateur a été créé en 1999 par Pierre Frégrec et Roger Viergue, fondateur du premier établissement Saint-Viateur en Côte d'Ivoire. Il est constitué d'anciens coopérants français ayant exercé en Côte d'Ivoire de 1960 à 1990.